Des perruques colorées, des chapeaux, non. Tickers, bougies, bonne ambiance, on est à l'optimiste. C'est la Saint-Valentin et ça va aller des tours, ça commence maintenant. Attendez, attendez. Alors, c'est petit, hein? Vous voyez quelque chose avec ça? Vous êtes sûr que ça fait des images? Hop, allez-y, mettez-le en route. Bon, faites de belles images, hein, on compte sur vous. Hein. Merci. On ne sait jamais si on a un problème technique. Ça sera vos images. Hein. Ok. On s'est mis sur 131 pour la Saint-Valentin. Oui, voilà, c'est ça. Bon, il paraît que vous êtes le couple le plus jeune ce soir. Vous êtes au courant? Oui, oui. Marcel nous a dit. Vous avez quel âge? 17 ans. Il y a combien de temps que vous vous connaissez tous les deux? 2 ans. La date, c'est quoi? Le 1er août. D'accord. Qui a dragué qui? Lui m'a dragué. Je vois que vous avez mis votre tenue de séducteur ce soir. Ah non. Non, non, non. Ah, je pensais que c'était ça. Ah non, du tout, c'est la tenue normale. Ah, c'est la tenue normale. Bien sûr. La moustache, elle fait très fausse. Ouais, mais faut que je fasse appel à l'assistance technique pour recoller. Non, moi, je pensais que c'était le bon plan drague pour une bonne Saint-Valentin. Donc, ça aide pas pour emballer, en fait, de rose. Bah, ça sert pas à grand-chose quand on est venu accompagner. Tout à fait. Draguer en mode canard, je sais pas si ça fonctionne. Moi en tout cas, j'aurais pas tenté. Vous êtes frileuse ou pas? Oui. Donc c'est Saint-Valentin au coin du feu, c'est ça? Voilà. C'est pas votre Valentin en face? Si, c'est ma Valentine. C'est votre Valentine? Si, si. Voilà, comment faire courir une rumeur? Voilà. Eh ben ouais, ça, c'est parti, ça démarre comme ça. Ça fait le tour du Finistère, c'est bon. Bon, alors si vous voulez faire une annonce à un Valentin potentiel, c'est là que ça se passe. Je suis là, je suis disponible. Voilà, si tu es sage, on laissera son numéro de téléphone à la fin de l'émission. Mon cœur est à prendre, voilà. Bah ça en fait des cœurs à prendre ce soir. Hein. C'est vrai? T'as fait une demande en mariage aujourd'hui? Ah bah je sais pas, faut lui demander. Il est là, il s'appelle comment? Stéphane. C'est Stéphane qui t'a invité aujourd'hui ou pas? Non, c'est moi qui l'ai invité. Ah bah ça marche aussi dans ce sens-là. Hein. Ah mais c'est lui qui a payé. Ah c'est bien. J'ai l'impression qu'elle attend la demande officielle en mariage. Ah faut attendre un peu au gros. D'accord. Je vais lui dire. Hein. Ah, c'est pas gentil hein, de venir vous embêter pendant les slows. Ah là là, il est pas sympa cet animateur. Il paraît que c'est un lieu que vous connaissiez bien. Il paraît, ouais, il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, ouais. Il y a 20 ans. Et vous vous êtes marié il y a 20 ans à l'Optimiste. 96. Eh ben joli. Et c'est un endroit que vous fréquentez toujours donc. Tout à fait. Et spécialement aujourd'hui pour la Saint-Valentin, bah on a c'est obligatoire. Ouais, tout à fait. C'était un beau souvenir et on est content d'être là ce soir. Il n'y a pas comme un problème là. Hein? Vous appelez ça un slow? Et ils sont où vos conjoints? Non, comme l'année dernière. Ah ouais, je me souviens. Hein? Pendant ce temps-là, il y a des dames esselées qui dansent les slow entre dames parce que les hommes ne sont pas là. Voilà. J'ai l'impression que c'est un bis repetita par rapport à l'année dernière. Exactement. Et là, c'est un gars de Plouvante que on a fait connaissance, mais. En pissant un coup, tu vois, tu crois que plus normal. Et là, ben, je dis, il n'y a pas de mauvais endroit pour faire des rencontres. Hein. Moi, j'ai un petit peu l'impression d'être au self. Allez, bonne soirée. Hein. Moi, je vais manger. Hein. Bon courage.
Et ça fait trois fois quand même qu'on vient pour les soirées à l'Optimiste. Et on revient aujourd'hui à nouveau en mode Saint-Valentin. C'est complet ce soir, il y a combien de personnes? Ce soir on doit avoir 200 je pense, et des brouettes. Toujours le même style, années 80-90. Prochaine soirée à l'Optimiste, c'est quand? Prochaine soirée à l'Optimiste, le 5 mars. Ouais, mais je crois que c'est complet le 5 mars déjà. Oui, hein. Oui, le 23 presque complet. Et après, c'est le 21 mai. Et puis ensuite, c'est les mariages, tout ça qui commence. Donc on reprendra sûrement après l'été. Et a priori, les soirées aussi, c'est l'occasion de retrouver des anciens collègues de classe. En effet, nous ne sommes pas vus depuis pas mal d'années à l'école Saint-Joseph de Landivisiau. Je vois qu'il n'a pas trop vieilli, il est moins blanc que moi. Oui, il se teint peut-être un peu les cheveux, je ne sais pas, mais en tout cas, il est moins blanc que moi. Tu sais que le vin, il est adapté à la soirée? As-tu vu l'étiquette? Ouais, c'est Shama Sutra. Le voilà. Kama Sutra, c'est ça? Voilà. Tu connais le Kama Sutra? Non, le Shama Sutra, je le connais maintenant. Ah ouais. Ouais. D'accord. Mais le Kama Sutra, ouais, ça va. Ah ouais. Ouais. Mais tu vas voir, il est pas mal, hein, le Shama Sutra. Ah, il est trop bon. Il est trop bon. Ah ouais, il est trop, hein, trop bon. Ça risque de donner des idées à certains pour ce soir. Quoi. Une journée de la Saint-Valentin à l'Optimiste. Mais n'oubliez pas que c'est aussi 364 autres jours d'amour. Allez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut les amoureux!